Coucou tout le monde! Coucou. Alors, vous savez, il faut trouver des choses positives à chaque situation. La chose positive, c'est que je suis confinée avec ma maman. Alors, même si on fait très très attention à la distanciation sociale, même quand on chante, on fait vraiment le plus attention possible. Ceci dit, maman va vous chanter aujourd'hui un des chants de Noël, son chant de Noël préféré, peut-être c'est ça que tu m'as dit, maman. Silent Night. Voilà. Donc, elle va vous faire apprendre la voix lead que très certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Qu'est-ce que tu veux leur dire aujourd'hui, maman? Eh bien, qu'il faut positiver, chanter et chanter. Voilà. Alors, donc, les adages de Blandine, il faut positiver et chanter et faire attention. Aussi. Voilà, très attention. Est-ce que tu leur chanterais ça toute seule une fois? Oui. C'est parti. Sai, quand tu Tu me veux. dis un, deux, trois. Trois et. Alors, comme nous le disons toujours, nous allons vous fournir les paroles pour pouvoir chanter avec nous. Vous pourrez repasser ou arrêter la vidéo pour pouvoir travailler avec maman. Voilà, donc, vous savez pas ce que ça me fait dans mon cœur de l'entendre chanter comme ça. J'aimerais tellement pouvoir partager ça avec vous tous. Encore une fois, il est vrai que, comment dire, l'idée de ces vidéos est venue dans le but de soutenir toutes les personnes qui font partie de notre groupe vocal. Les personnes que je peux suivre, comment dire, je sais pas si le mot musicothérapie est adapté, mais dis du moins dire que le chant c'est une happy thérapie. Voilà, on va dire ça. Et donc, on a vraiment démarré ce projet dans ce sens-là, mais on espère que ça donne du bonheur à tout le monde et que ça vous apporte un petit peu de baume au cœur. Alors, moi je vais vous chanter maintenant la voix alto. De ce morceau-là, et après on essaiera de vous faire à deux voix. Voilà. On va savoir ce que ça veut dire. C'est ma maman quand même. C'est grâce à elle que je chante. Et là, c'est ma fille. J'adore. Alors, moi je vous le fais. Ça, l'alto. Ça, immédiatement qu'on le leur chante à deux voix. Tout à fait. Super. Merci maman. Tu m'as dit de démarrer. Silent Night pour les voix soprani, les voix aiguës, ou les voix de garçon, on va dire, parce que de toute façon, on vous propose des choses à deux voix. Et la mienne qui peut être plutôt assimilée à la voix d'alto, qui commence là sur un do dièse. Silent Night, Silent Night. 3, 4. Silent Night. Sleep.
maintenant vous le jouer. On est bien d'accord que je suis pianiste de situation. Je ne suis pas pianiste concertiste, mais ça vous fera un support pour pouvoir travailler votre voix. Donc, comme je disais, les soprani peuvent commencer. Soprani, c'est ceux qui veulent faire le lead, hein. Silent night. Les autres, silent night. Et ça sera 1, 2, 3, 4. Donc tous les éléments pour chanter Silent Night. Alors aujourd'hui c'était une petite mise en situation de la soirée de Noël, tout en douceur, tout en calme. Que dire si ce n'est que tous les bons moments que vous pouvez prendre, prenez-les. Vous voyez, c'est pas grand chose, c'est pas forcément idéal, mais il faut faire avec la situation et faire au mieux. C'est tout sauf idéal. Mais en tous les cas, ça permet de partager des choses et des moments, et c'est déjà ça le plus important, hein, faisant bien attention. Voilà. En tous les cas, on vous embrasse très très fort et on espère que vous avez envie de chanter avec nous. À partir du mois de décembre, donc tout le mois de novembre, on va chanter ensemble des chants de Noël et d'autres choses. À partir du mois de décembre, on fera comme un calendrier de l'Avent. Donc c'est-à-dire qu'on fera une sorte de récapitulation générale et on va vous demander à ceux qui veulent participer, d'envoyer des vidéos sur ma page et tout ça, sur la page de l'école et du groupe. Et donc, en fait, avec le calendrier de l'Avent, ça veut dire que les 24 jours du calendrier de l'Avent, vous aurez des petits cadeaux à gagner si vous avez envie de participer, d'être interactif avec nous. Voilà. On vous parle un petit peu plus précisément de ça très bientôt. Portez-vous bien, on vous aime. Et n'oubliez pas, on vous aime. Bisous.